22 juillet. Journée passée presque entière avec les deux inconnues. Elles sont, ma foi, fort jolies, l'une brune et l'autre blonde. Elles se disent veuves. Hum. Je leur ai proposé de les conduire à Roya demain et elles ont accepté. Châtel-Guyon est moins triste que je n'avais pensé en arrivant. 23 juillet. Journée passée à Roya. Roya est un pâté d'hôtel au fond d'une vallée, à la porte de Clermont-Ferrand. Beaucoup de monde, grand parc plein de mouvements, superbe vue du puits de Dôme, aperçu au bout d'une perspective de vallon. On s'occupe beaucoup de mes compagnes, ce qui me flatte. L'homme qui escorte une jolie femme se croit toujours coiffé d'une auréole, à plus forte raison celui qui passe entre deux jolies femmes. Rien ne plaît autant que de dîner dans un restaurant bien fréquenté avec une amie que tout le monde regarde. Et rien d'ailleurs n'est plus propre à poser un homme dans l'estime de ses voisins. Aller au bois traîné par une rosse ou sortir sur le boulevard escorté par un laidron sont les deux accidents les plus humiliants qui puissent frapper un cœur délicat préoccupé de l'opinion des autres. De tous les luxes, la femme est le plus rare et le plus distingué. Elle est celui qui coûte le plus cher et qu'on envie le plus. Elle est donc aussi celui que nous devons aimer le mieux à étaler sous les yeux jaloux du public. Montrer au monde une jolie femme à son bras, c'est exciter d'un seul coup toutes les jalousies. C'est dire Voyez, je suis riche puisque je possède cet objet rare et coûteux. J'ai du goût. Puisque j'ai su trouver cette perle, peut-être même en suis-je aimé, à moins que je ne sois trompé par elle, ce qui prouverait encore que d'autres aussi la jugent charmante. Mais quelle honte que de promener par la ville une femme laide. Et que de choses humiliantes cela laisse entendre. En principe, on la suppose votre femme légitime, car comment admettre qu'on possède une vilaine maîtresse une vraie femme peut être disgracieuse, mais sa laideur signifie alors mille choses désagréables pour vous. On vous croit d'abord notaire ou magistrat, ces deux professions ayant le monopole des épouses grotesques et bien dotées. Or n'est-ce point pénible pour un homme Et puis cela semble crier au public que vous avez l'odieux courage et même l'obligation légale de caresser cette face ridicule et ce corps mal bâti et que vous aurez sans doute l'impudeur de rendre mère cet être peu désirable, ce qui est bien le comble du ridicule. 24 juillet. Je ne quitte plus les deux veuves inconnues que je commence à bien connaître. Ce pays est délicieux, et notre hôtel excellent. Bonne saison. Le traitement me fait un bien infini. Les premiers baigneurs, les matineux déjà sortis de l'eau, se promenaient à pas lents, deux par deux ou solitaires, sous les grands arbres, le long du ruisseau qui descend des gorges d'Enval. D'autres arrivaient du village et entraient dans l'établissement d'un air pressé. C'était un grand bâtiment dont le rez-de-chaussée demeurait réservé au traitement thermal, tandis que le premier étage servait de casino, café et salle de billard. Depuis que le docteur Bonnefille avait découvert dans le fond d'Anval la grande source, baptisée par lui Source Bonnefille, quelques propriétaires du pays et des environs, spéculateurs timides, s'étaient décidés à construire au milieu de ce superbe vallon d'Auvergne, sauvage et gai pourtant, planté de noyers et de châtaigniers géants, une vaste maison à tous usages, servant également pour la guérison et pour le plaisir, où l'on vendait en bas de l'eau minérale, des douches et des bains. En haut, des bocs, des liqueurs et de la musique. On avait enclos une partie du ravin le long du ruisseau pour constituer le parc indispensable à toute ville d'eau. On avait tracé trois allées, une presque droite et deux en feston. On avait fait jaillir au bout de la première une source artificielle détachée de la source principale et qui bouillonnait dans une grande cuvette de ciment abritée par un toit de paille, sous la garde d'une femme impassible que tout le monde appelait familièrement Marie. Cette calme Auvergnate, coiffée d'un petit bonnet toujours bien blanc et presque entièrement couverte par un large tablier toujours bien propre, qui cachait sa robe de service, se levait avec lenteur dès qu'elle apercevait dans le chemin un baigneur s'en venant vers elle. L'ayant reconnue, elle choisissait son verre dans une petite armoire mobile et vitrée, puis elle l'emplissait doucement au moyen d'une écuelle de zinc emmanchée au bout d'un bâton. Le baigneur, triste, souriait, buvait, rendait le verre en disant Merci Marie, puis il se retournait et s'en allait. Et Marie se rasseyait sur sa chaise de paille pour attendre le suivant.